Bienvenue au Centre Jean-Jacques Gaultier. Le Centre Jean-Jacques Gaultier, c'est d'abord une synergie unique, porteuse et rassembleuse, tout d'abord pour notre clientèle, mais aussi pour nous, comme organisation au CIUSSS du Nord de l'île. Le Centre Jean-Jacques Gaultier est le centre novateur qui rallie la promotion, la prévention et la gestion des maladies chroniques. Nous offrons des services à des usagers qui présentent une condition clinique liée à la santé cardiovasculaire, à la santé respiratoire et aux saines habitudes de vie. La maladie coronarienne, c'est une maladie chronique qui va revenir si les patients ne se mobilisent pas. Donc, la réadaptation cardiaque, ça commence par l'enseignement. L'enseignement sur la maladie, sur les facteurs de risque, sur les bonnes habitudes de vie en nutrition, en activité physique, en cessation tabagique et en gestion saine du poids et du stress. Par la suite, ça passe par un programme organisé, supervisé et sécuritaire d'activité physique pour instaurer des bonnes habitudes de vie et diminuer les récidives de la maladie. La réadaptation pulmonaire permet d'établir un continuum entre ce qui se fait en aigu à l'hôpital et la gestion au quotidien de la maladie chronique. Pour moi, un bénéfice important a été de retarder, en fait, de plusieurs années la vente de ma maison parce que, évidemment, l'entretien, le jardin devenait difficile. Mais après la réadaptation, j'ai pu conserver ses acquis pendant plusieurs années encore. L'approche au Centre Jean-Jacques Gaultier en est une d'interdisciplinarité. Les différents experts, médecins, inhalothérapeutes, kinésiologues, leurs étudiants et l'équipe de recherche échangent continuellement, tout ça en maintenant le patient au centre des différentes interventions qu'ils vont mettre en place. Les points et les forces de la recherche au centre ici, c'est vraiment le caractère innovant d'avoir au même endroit des chercheurs, des enseignants, des enseignants, des professionnels de santé, des médecins, qui nous permettent d'avoir une vision à 360 degrés qu'est-ce que ça représente la gestion des maladies chroniques. Et c'est comme ça qu'on va planifier la médecine de demain. Notre centre se déploie également au-delà de ses murs en s'impliquant davantage dans les communautés de notre territoire. Alors, le Centre Jean-Jacques Gaultier, c'est un incubateur qui va permettre l'émergence de nouvelles approches intersectorielles. En fait, ça a été conçu comme un centre de collaboration en mode Living Lab, qui va permettre donc de pouvoir mettre en place, de développer des approches, des interventions populationnelles, cliniques, qui vont transformer la prise en charge et l'accompagnement des malades chroniques. Donc c'est un espace où vont se côtoyer des chercheurs, des cliniciens, des stagiaires et des gestionnaires. Et donc c'est cette interdisciplinarité-là qui est particulièrement importante. Toutes les disciplines qui sont représentées par les professionnels ici peuvent accueillir des stagiaires. En fait, le côté novateur du Centre Jean-Jacques Gaultier va probablement attirer aussi des étudiants qui ont un intérêt pour le travail interdisciplinaire, qui ont une bonne autonomie professionnelle aussi et qui ont envie, bien sûr, de travailler dans les maladies chroniques, mais aussi de côtoyer la recherche, l'enseignement et le secteur clinique. Le service de réadaptation pulmonaire m'a apporté une plus grande endurance, de l'autonomie et surtout une qualité de vie grandement améliorée. Vous l'aurez compris, le Centre Jean-Jacques Gaultier travaille au bien vivre et bien vieillir de nos usagers.